Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo pour vous présenter un peu les moyens de soutenir financièrement la chaîne Tutoriel Géo qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, comme il y a accès à pas mal de choses, je voulais faire une vidéo dédiée dessus, que j'en ai jamais fait. Et voir un peu aussi tout ce qui gravite autour de Tutoriel Géo, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Facebook et autres, pour vous permettre de rester connecté sur la chaîne et de voir un peu les nouveautés, de suivre les nouveautés de la chaîne et l'actualité. Donc les réseaux sociaux ont différents objectifs et différents buts suivant le réseau social. Donc là, je vais vous présenter un peu les modes de souscription à la chaîne et puis on continuera les vidéos comme on le fait d'habitude. Voilà. Donc, ouais, je sais pas si le titre correspond, mais c'est pas grave, je changerai au pire à la volée prochainement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les modes pour soutenir la chaîne qui propose aujourd'hui plus de 400 vidéos gratuites, il me semble, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même énorme. Et puis après, on verra un peu les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs modes de souscription, de modes de soutien à la chaîne. Déjà, vous pouvez faire des dons au travers du chat quand les vidéos sont en direct. Donc là, j'ai pas envie de mettre le chat dans la vidéo, mais en tout cas, voilà, en bas à droite, vous pouvez soit manifester votre soutien, vous pouvez manifester votre soutien à la chaîne en utilisant un super sticker ou un super chat, ce qui permet de soutenir la chaîne financièrement. Au travers de chat en direct. Deuxième mode, vous pouvez soutenir la chaîne au travers du bouton souscription. Donc, ce sont des abonnements mensuels de quelques euros par mois qui vont de 1 euro par mois à 5 euros par mois ou 10 euros par mois si vous souhaitez. Vous pouvez arrêter l'abonnement quand vous voulez et ça permet de soutenir financièrement la chaîne pour continuer à vous proposer des vidéos de qualité. Je tiens à être honnête avec vous, j'en ai pas besoin, mais ça fait toujours plaisir et ça permettra peut-être à terme de faire l'acquisition de logiciels un peu plus payants parce que la chaîne est aujourd'hui focus sur des vidéos qui focus sur des logiciels open source. Donc vous pouvez soutenir la chaîne financièrement au travers du bouton souscription qui se situe soit sur la chaîne, soit je vais aller sur une vidéo, soit ici en dessous des vidéos. Donc ça c'est la deuxième chose. Vous pouvez soutenir financièrement la chaîne en souscrivant à cette dernière. Ensuite, vous pouvez aussi, si vous êtes connecté, alors je ne sais pas si là ça se voit, je vais voir une autre vidéo au hasard. Donc là on ne le voit pas. Donc le premier mode de souscription, je tiens à spécifier, la souscription à la chaîne, abonnement mensuel. Qui permet de soutenir la chaîne financièrement et qui l'abonnement peut être résilié comme vous souhaitez, mais ça fait toujours plaisir. 450 vidéos en 10 ans, j'ai envie de le dire, envie de dire, toujours gratuite. Si vous voulez soutenir la chaîne, même quelques mois, ça fait toujours plaisir et ça stimule la créativité, j'ai envie de dire. En tout cas, ça augmente le champ des possibles. Voilà. Deuxième mode de souscription, c'est si vous êtes abonné. Donc si vous êtes abonné, je dis bien non, si vous êtes abonné, non, n'importe quoi. Si vous êtes connecté à YouTube, donc au travers de votre compte, merci pour les likes. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans le chat si ça vous intéresse pas. Qu'est-ce que vous pensez des modes de souscription? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse pas? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est anormal? Je vous laisse voir. Je tiens à dire quand même sur la chaîne, il y a des choses qui ont beaucoup de valeur financière, j'ai envie de dire, puisque beaucoup de boîtes les feraient payer. Mais ça reste gratuit, ça restera toujours gratuit. Deuxième élément important, donc tac, je vais sur la chaîne. Si vous êtes connecté à YouTube, vous avez accès tac au bouton merci qui s'activera si vous êtes connecté. Donc attendez, je vais essayer de vous le montrer. Donc tac tac tac. Je vais essayer, attendez, attendez, tac. Alors, sinon, il faut que ça implique que je me connecte, mais je n'ai pas envie de me connecter. Donc, si vous êtes connecté à YouTube, vous avez accès propriétaire.
Je vais essayer de changer. Voilà. Voilà. Donc voilà, si vous êtes connecté à la chaîne, à YouTube, je veux dire, ce qui est le cas là, pendant que je suis connecté avec mon compte, vous avez accès au bouton Merci qui permet de manifester le soutien à la chaîne, au Super Tank. C'est-à-dire que maintenant, n'importe quelle vidéo sur laquelle que vous visualisez en étant connecté à YouTube, vous pouvez bien évidemment soutenir votre soutien à la chaîne financier en effectuant, je sais pas, jamais fait, voilà, des petits dons. Sur la chaîne, sur la vidéo, ce qui permet toujours de augmenter les revenus de la chaîne et aussi ben, de soutenir la chaîne financièrement, puisqu'il y a voilà, plus de 450 vidéos. Donc vous avez désormais accès au bouton Super Thanks, merci en dessous des vidéos. Je peux pas le faire parce que je suis sur ma propre chaîne, mais voilà, en tout cas, 2, 5, 10 euros, 2 euros c'est déjà très bien, ce qui permet de soutenir la chaîne financièrement et surtout si vous êtes sur une vidéo que vous avez aimée, vous pouvez. Bien évidemment, soutenir la chaîne grâce au Super Thanks, au merci sous les vidéos, sous réserve que vous soyez connecté à YouTube. Donc ça c'est pas mal du tout. Tac. Donc ça c'est pas mal du tout. Ça peut permettre de soutenir la chaîne financièrement en plus des souscriptions. Donc, il y a les souscriptions, il y a les Super Thanks. Voilà, ça c'est vous qui choisissez. Donc tac, ça c'est vous qui choisissez. Ça c'est vous qui choisissez, j'ai envie de dire, les modes de soutien à la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, bien évidemment, vous avez soit les merci, soit vous avez les super thanks. Donc ça c'est au choix. Vous choisissez le mode de souscription que vous voulez. Donc on revient. Donc ça c'est par rapport au mode, aux méthodes de soutien à la chaîne. Vous avez, je récapitule, soit le bouton soutenir, soit le bouton le bouton merci en dessous des vidéos qui permet de soutenir la chaîne financièrement. Donc c'est toujours un plus pour la chaîne et mon objectif c'est bien sûr d'investir dans du matériel de capture de données géomatiques. Donc voilà, si jamais il y a des dons, ça permettra d'augmenter les revenus dédiés à la chaîne. Ensuite, nous avons les réseaux sociaux donc, de la chaîne. Nous avons déjà la page Facebook sur laquelle je partage pas mal de documentation SIG qui sont issues d'autres médias. Donc, pour aller sur la page Facebook abonnez-vous, c'est gratuit ça. Et je partage des informations sur soit les vidéos SIG que j'ai publiées, soit sur d'autres posts qui sont partagés par des chaînes YouTube ou des pages Facebook en lien avec la géomatique qui peuvent éventuellement vous intéresser. Donc abonnez-vous si vous souhaitez à la page Facebook. Là, on a voilà, 1800 likes, 1400 personnes suivent cette page Facebook. N'hésitez pas à suivre la page Facebook. Je fais des petits lives une propre à Facebook parce que j'ai bien aimé faire des lives propres à Facebook. Donc voilà. Et là, vous avez vraiment la chaîne avec des vidéos qui sont propres à Facebook. Ça m'arrive de faire des lives sur Facebook. Des posts, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook pour suivre des news en lien toujours avec la géomatique et les SIG. Donc c'est gratuit aussi et ça permet de faire cette petite veille SIG. Ensuite, il y a le compte Twitter de Tutoriel Geo sur lequel je partage des nouvelles informations toujours en lien avec les SIG, plus francophone que Facebook où il y a des informations SIG. Des news SIG plus internationales, j'ai envie de dire. Le compte Twitter, c'est plus national, on va dire, avec des informations SIG nationales. Mais ça permet aussi de faire sa petite veille. Par ailleurs, je partage aussi des informations qui sont plus larges sur du traitement de données, du data mining et de la data science. Donc, je vous laisse vous abonner à la chaîne. On a 1061 followers. Vous abonner au compte Twitter pour bénéficier de veilles différentes de Facebook. Je tiens à dire, ouais, Facebook, c'est plus international et géomatique. Twitter, c'est plus SIG et data mining. Voilà. Les news et les partages de news, c'est gratuit. Et j'ai jamais fait de live, je crois, sur Twitter, mais j'en ferai un parce que j'aime bien faire des lives sur Twitter. Et ensuite, j'ai envie de dire, le dernier média, l'avant-dernier média. Ah, ça, c'est marrant, ça. Voilà. Ah, bon, là, évidemment, mais je peux pas y accéder parce que je suis pas connecté. Mais le dernier média. C'est LinkedIn. N'hésitez pas à vous connecter à ma page LinkedIn et à me demander en contact pour des informations professionnelles ou professionnelles, j'ai envie de dire uniquement professionnelles.
ce qui vous permettra qu'on reste en contact et qu'on puisse échanger sur ce sujet. Voilà, n'hésitez pas à recommander mes compétences sur ma page LinkedIn, ça fait toujours plaisir et ça permet d'augmenter ma visibilité sur ce réseau social. Voilà, si vous avez besoin de conseils professionnels ou de mise en contact, je peux vous aider. Voilà, plus de 1800 personnes sur LinkedIn qui me suivent, donc ça permet aussi de créer, j'ai envie de dire, une communauté tutoriel géo, même si elle est assez dense quand même. Et enfin, le dernier réseau que je voulais vous présenter, mais alors j'ai rien publié dessus, c'est Instagram. J'ai créé une page Instagram il y a quelques temps. Donc ça, c'est la page Instagram de tutoriel géo qui s'appelle Class Tech, qui est une chaîne plus large. Et donc qui permet, voilà, dessus je vais publier pas mal de choses. En lien avec Tutorial Geo, parce qu'en fait Clast et Tutorial Geo, c'est juste que Clast, j'ai envie de dire, est une marque plus large que Tutorial Geo, parce que Tutorial Geo c'est géomatique, alors Clast c'est plus numérique et données. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi au compte Instagram pour bénéficier de news et d'actualités. Je vais me mettre à fond, c'est juste que j'ai pas eu le temps jusqu'à présent, mais je vais me mettre à fond pour dynamiser ce réseau social. Donc vous avez, vous pouvez soutenir la chaîne financièrement, soit en rejoignant la chaîne, soit grâce au Super Live. Au merci sous les vidéos pour peu que vous soyez connecté à YouTube. Vous avez la chaîne, la page Insta, vous avez la page Facebook et vous avez la page Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à ces réseaux sociaux et la page LinkedIn pour qu'on soit connecté et pour créer une dynamique, une communauté autour de cette chaîne. Et pour éventuellement partager les idées et faire des vidéos plus larges et plus grand public. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez des souscriptions. Là, j'ai fait des vidéos la dernière fois sur les résultats des réseaux sociaux. Les résultats des descriptions territoriales des réseaux de premier tour présidentiel. Je vais faire la même chose pour le second tour. Et je compte faire des vidéos plus appliquées, plus thématiques. Donc voilà pour les éléments sur la chaîne. Évidemment, plus vous soutiendrez la chaîne et plus je serai en mesure de faire des contenus de qualité. Bon, c'est voilà. Donc, ça fait 10 ans qu'elle existe, 450 vidéos. C'est pas mal. Franchement, je suis content. Oui, il est content. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et partager les vidéos pour augmenter leur visibilité. Voilà. Et puis, abonnez-vous le cas échéant si ça vous intéresse. Donc voilà, un quart d'heure de vidéo, 10 minutes, je pense que j'ai dit le contenu essentiel. Bien évidemment, on va continuer les vidéos, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. On va dynamiser le contenu. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.